m'avez demandé la version troisième personne de Warzone 2. En ce moment, vous kiffez de ouf les vidéos comme ça, en off. On va tout de suite regarder ça. Et encore merci à Modern Warzone de nous avoir fourni le petit gameplay. C'est pépite. C'est tout de suite. Wouh ! Ok, c'est parti. Donc ça, c'est le mode troisième personne. Alors, il faut bien retenir que il y a que l'élite américaine qui a été invitée pour cet événement. C'est-à-dire que c'est encore une fois des lobbies de tueurs. Il y a pas la... Normalement, il y a deux styles de visée. Il y a ce style de visée-là et il y a le style de visée première personne aussi que tu peux avoir. Aïe, 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 aïe. Putain, je suis pressé d'y être dans cet avion. Le 16, les gars, dans deux jours, je vous donne rendez-vous le 16 à 10h sur la chaîne. Et vous verrez un peu tout ce qu'on a prévu. Mais en attendant, go regarder ce gameplay. Putain, il va y avoir tellement de choses à découvrir. Ça va être... complètement fou. Ça va être complètement fou, les gars. Les véhicules avec de l'essence ou quoi. Ça, je sais pas s'ils vont le garder dans le mode DMZ ou s'ils vont l'appliquer là aussi. Ça risque d'être incroyable. Nice drop. Oula, quand tu freines, tu freines. C'est vachement joli entre même personne. Tu ressens beaucoup mieux ton personnage. Les moves sont sympas, les moves sont bons. Tu peux aller sous l'eau comme dans le multijoueur. La troisième personne est sous l'eau, ça doit être incroyable. Oh, vas-y, conduis-le. Conduis-le. C'est... je vous mets la musique, les gars, je vous mets la musique. Monte dedans, mon grand, monte dedans. Et pas peur, Modern Warzone. Allez, allez. Vas-y, tu vas dedans. Ça va le faire. Allez, fais-le. Va le next sniper, oui. Hop, 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 hop. Oh, Husker, il est dans un truc. Ouh. Oh, merde. Oh, tu le sens venir. Oh, tu le sens, tu le vois venir. Tu le vois venir, c'était sûr. C'était sûr. Oh, ça sent pas bon, ça. Oh. Mec, descends là, descends là. Ça fait peur à tout le monde. Ils veulent pas le sauver, le frérot. Allez, vas-y, prends-le, prends-le, prends-le. Attends, mais l'hélicoptère, il est automatisé ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il se casse pas? Mec, je comprends pas. Mec, je... en fait, il y a un pilote fantôme. Pourquoi le truc, il fait des droits de gauche, là? Et eux, ils sont en train de tester le jeu, ils remarquent ça, et avec les devs juste à côté, ils doivent se marrer. Oh là, lui, il est mort. Oh, oh! What the fuck, c'est quoi cette arme? En tout cas, est-ce qu'on peut... ouh! Ah, le shotgun, toujours là. Le mode troisième personne, bien souvent, c'est du shotgun ou de la... ou de la petite PM au corps, au cac. Et après, tu te régales avec une arme x3 où tu fais du très très sale. Là, actuellement, j'en suis à 12 armes en or. Donc, ça augmente petit à petit. Vous en êtes à combien, vous, là, en ce moment? Donc, quand on saute, les gars, regardez ce move que ça fait. Quand on saute, on est vraiment ralenti et on retombe très très vite. Sauter, c'est s'exposer encore plus. Sur le prochain Warzone, il faudra crouch et faire des latérales droite-gauche. Sinon, tu vas te faire détruire. Sauter, c'est s'exposer deux fois plus. Oh. Bon. 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 Ok. Quand on met une plaque, on est ralenti ou c'est lui qui a décidé de marcher? Là, déjà, ce qui est vachement joli, qu'on peut remarquer, c'est que tout le loot est bien intégré au sol et tout. Avant, ce qu'on pouvait avoir, c'est, tu sais, nos armes, quand on les dropait, des fois, elles se bloquaient dans le mur. Ça nous est tous arrivé. Didier, exemple. Non, non, non! Connard de Didier. Ok, petit fight. Sam Psychar 4803. Alors, si lui, c'était pas un bot, je m'appelle Joseph. M'appelez pas Joseph en commentaire, ça me saoulait. Le système de loot, il me paraît vraiment bien. Giga malin pour les joueurs qui sont un peu tacticiens. Je dis ça par rapport au fin de game où, par exemple, les joueurs un peu débutants vont privilégier le fait d'avoir que des plaques, que des munitions, plutôt que d'avoir un peu des deux. Mine de rien, avoir un peu des deux, prévoir le nombre de balles qu'il te faut pour les 4-5 derniers joueurs, c'est un petit peu de réflexion, mais je pense pas qu'au début, tous les joueurs Call of Duty vont l'avoir. C'est vraiment une expérience de joueur Battle Royale, ça. Mais non, le masque en or est encore là. Ok, 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 on le découvre ici. Il y a une voiture qui est en train de poursuivre Husker, mais Husker a encore pris un véhicule. Il est incorrigible. Dev 21. Et après, je crois qu'il... oh là là, il s'est... oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Kax drone. Oh la flash. Ah, elles font mal. Ah. Oh, mon frère. Il y a de mes frères au bouclier. Vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère. Non. Non, on insulte pas un de mes frères. Vas-y, frangin, fume-le! Fume-le! Fais ce que t'as à faire avec ton bouclier! Vas-y, mon frère! C'est beau, ça, ça c'est beau! Non! Il l'a tué. Et il l'a sauvé.
Dommage, je suis persuadé que ça ressemblera énormément à PUBG. Il y aura un côté stratégique beaucoup plus développé que sur l'ancien Warzone. Il y aura beaucoup de vidéos faites pendant cette période pour vous renseigner. On fera des wins avec toutes les armes méta, tous les jours, plusieurs. Ça sera foutu sur cette chaîne-là, mais aussi sur la chaîne secondaire, les gars, Show TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. Ce mode troisième personne, il est vraiment fun en tout cas. Il est joli. Sian, il a 8 kills. Mais ce mec, c'est un tueur. C'est un truc de fou. Oh. Quoi? Attends, se pencher droite. Les gars, le droit de gauche qu'il a fait, c'est comme sur PUBG quand t'es derrière un arbre et que tu fais comas. Et comas? Ou c'est, il faisait juste des gauches droites? Je découvre ça en même temps que vous. J'ai pas regardé la vidéo avant pour pas me spoiler. Oh, ça tombe! Interrogation, qu'y a-t-il? De gauche à droite, en bas. À gauche, je pense qu'on a un gros mégot. Il devait y avoir un rasta qui s'est roulé, une sorte de baobab. À droite, on a une plaque. Et juste en bas, la Vaznev, qui est une arme monstrueuse en multi. Je pense qu'elle fera très très mal sur Warzone 2. Je pense vraiment qu'elle fera mal. T'as le shop comme ça, il est vraiment nice. Mais... J'aurais un shop portable comme ça, c'est vraiment dangereux. Mais c'est un ennemi à droite. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal, ça découpe. Le système de loot sur les corps, pour vous les joueurs manettes, ça va être très très compliqué. Hein. Je continue de le dire. Accrochez-vous, hein. genre force et honneur, on n'est pas ensemble. Par contre, en troisième personne, t'as beaucoup plus l'instinct de pouvoir te balader partout. Et mine de rien... Il accroche vraiment sur toutes les surfaces. Il y a pas beaucoup de surfaces où le perso accroche pas. Ok. Il glitch parfait. Oh là là. Oh là là. Okay, il a fait mal, mais il a plus l'avantage de la troisième personne. Il faut se déplacer vite, il le sait. Il monte, vous avez vu? Ça monte super rapidement. Il n'y a pas ce volt plutôt lent et tout. Là, tu vois, il a pas l'avantage. Vu que le mec est aidé du muret. Oh là là. Il avait pas l'avantage et pourtant il a gagné. En fait, la troisième personne, même si t'as 1 HP, c'est toi qui as l'avantage en ayant le muret. Parce qu'une balle de shotgun rapide, une balle de snipe rapide, c'est nickel. Ok, ça va, il est tranquille. Ah les gars, il est contre un bot et un dev. Et il est avec Diaz Biffle, un des meilleurs joueurs américains. Bam, bam. Attention, boum. Les petites 2v2 sans bot. C'est pépite dans le goulag, c'est trop trop bien. Ok, donc là quand tu respawn, vous avez vu, il respawn avec un shotgun, il respawn avec l'arme qu'il avait dans le goulag. Donc si tu peux ramasser des armes dans le goulag, si tu ramasses une arme plutôt opti, et si tu gagnes, tu peux revenir en étant plutôt correct et revenir en mode agressif direct. Ok, il a mis le ping pour... Oh, il a vu l'arme, il s'en fout, il sait qu'il a le shotgun. Ok. Il y en avait un qui attendait, chat. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas été knock. Genre, pourquoi est-ce qu'il a juste pas été knock, les gars? Pour prendre la position face à Sian et Husker dans une maison. Et... Oh là là. Ok, il reste Husker. Ça va être le plus difficile à faire tomber. Ancien joueur à Chazader. Donc il s'est joué en troisième personne. Forcément. Et il le tue. Il le tue. Il va rester le copain. Ok, donc là, stratégiquement, ils repartent en arrière, ils vont au shop, ça va se remettre bien. Ah, ils vont rebailler le copain. Rachète le copain, t'as un masque en or. Oh putain, il cherche le shop. Oh, LOL. Non, way. Dès que le truc a touché le gaz, il a fermé. Il a même disparu. Ok, donc ce sera fini d'aller dans le gaz pour faire des chaparderies sur le shop. En même temps, je vais pas mentir, je trouve ça normal. Par contre, le dénivelé est bon, il y a beaucoup de cachettes, tu peux pas mal circuler. Dès que t'arrives dans les villages, il y a quand même pas mal de cover. Et à la fois pas mal de détails, mais je le trouve pas désagréable, je trouve ça sympa. Après, c'est qu'en vidéo, j'y ai pas encore joué, donc je peux pas vraiment donner mon avis définitif, mais là comme ça, je trouve ça sympa perso. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le... Ok. Ok, Husker. Putain, Husker, ce prédateur, regarde-le. Il est trop bon, gros. Il est trop chaud. Ok, il confirme le kill. Il a plus aucune balle, les gars.
Il achète le copain, il va poser la mini-boss, il a foutu une frappe de précision à l'attendant. Il leur fait vivre l'enfer, il fait un travail tout seul qui est insane. Et Sian Ghost, il a récupéré un W2 Ghost au snipe. Et il a rôti Eldead. Hop, il vient de faire le 1v2. Ah. Mais il se fait allumer par une autre équipe. Il y a deux mecs sur la gauche. Ou un. Oh, le gaz va super vite. Mais en termes de dégâts, c'est exactement le même. Là, je suis en train de regarder les tics de gaz. Regardez les tics de gaz, les gars. On est zone 4. Et le gaz descend extrêmement doucement. Donc, le gaz, peu importe les zones, fera toujours le même dégât. À part si on reste une demi-heure à l'intérieur. Et que là, ça commence à taper plus fort. Je pense que c'est exactement le même système qu'avant. Pourquoi est-ce qu'il est en train de genre crever alors qu'il reste un quart HP? Ça fait paniquer de ouf. Genre on dirait que tu vas claquer alors que pas du tout. C'est-à-dire que quand ta vie se rapproche encore plus de l'ombre, tu deviens ça devient tout noir ou quoi? Regarde l'autre il fait sa vie dans le gaz hein. Il se met des steams, il était bien. Oh no way! Est-ce que vous avez vu ça? En haut à gauche, il y a une petite station essence. Une fois que ton camion, il passe à côté, il y a une petite sonnette, comme en Espagne. Et boum! Il y a un Espagnol qui sort et qui te fait le plein. Oh là là, ça me hype vraiment. Ce qui est compliqué en troisième personne, c'est que par exemple, il pourrait très bien y avoir trois personnes juste devant eux là. Trois bons joueurs, troisième personne, ils en seraient rien. D'un seul coup, ils se diraient « Go !» Sur Discord, les trois décales à une fenêtre, t'es mort instant, t'as même pas le temps de tirer. C'est le seul truc que je déplore un peu, mais en même temps, c'est obligatoire. Faut quand même un jeu très dynamique pour pouvoir t'escape de plein de situations, et je suis pas certain que là, il y a assez de dynamisme. Comme je dis, ça me rappelle beaucoup plus PUBG depuis... dès sa sortie jusqu'à là. Quoi? Je comprends pas. Comment ça, tu peux looter une autoréa? Ah ouais? Bah ouais? Bah ouais, le mec, regardez dans son backpack, il y a une autoréa. What the heck? Ok, on peut donc looter Notorea. En même temps, s'il le tue avant qu'il puisse Notorea, c'est logique qu'il ait ce kit d'Autorea sur lui. Mais j'y avais jamais pensé. C'est marrant. Kobe! Kobe! Les grenades, il les a lancées loin, mais elles sont pas allées loin. Donc j'ai l'impression que les grenades sont un peu plus réalistes qu'avant. J'aimerais vraiment votre avis dans les commentaires. Je lis vachement les commentaires de toutes les vidéos off, donc n'hésitez pas. Donc là ça joue en mode troisième personne. C'est pas très sexy à regarder, mais bon. Ok. Ça cut la rota d'un mec dans leur dos. Cette position est très très forte. Cette position où il est, elle est très très forte. Il a pas très bien clear la droite. Il faudrait mieux vérifier. Ah tiens, quand on parle du loup. Attention. Ça tombe. Il est broc. Il est obligé de recharger. Et il y a Sian Ghost qui le clear avec un sniper. Il y a que des joueurs solo, ils sont en train de raconter. 8 personnes pour 5 équipes, ça fait quand même beaucoup de mecs tout seuls. Ok, ouais, à l'intérieur. Regardez la grenade. Là il a la lance du plus profond qu'il peut. Et elle... Ok, double crack. Ok, c'est. What the... Ok. Ok. Oh, ce push. Oh! Vous avez vu? Exactement ce que je vous disais. Même si tu as un HP, si tu as la cover, c'est toi qui as l'avantage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait détruire. Ah, merde. Pour le coup, ça vient d'une balle de snipe derrière. Mais je suis persuadé qu'il aurait tué les mecs devant parce qu'ils prenaient vraiment cher. Tu vois, eux, ils ont pas avancé. Ils ont avancé, mais beaucoup plus lentement. Ça y va à la grenade pour déloger. Normal. Ok, ok. Husker qui confirme. Petite arme légère, 45 balles, je pense qu'elle fait largement le taf. Sian s'est fait knock par le sniper. Il a pas la zone. La zone est à l'opposé. Ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Ouf. Ok, il a crack. Je vois pas comment est-ce que là il peut y arriver. Ok, son mate s'est réanimé. C'est U2v2. Ok, regardez les dégâts de la zone. Regardez les dégâts de la zone, les gars. Là c'est une zone qui tape. Mais en même temps on est zone 8. Donc est-ce qu'on peut vraiment juger? Oh là là. Putain, en plein entraînement, faire la première win au monde sur Warzone 2 en première et troisième personne. Well play, my friend. Well play. Ce genre de petites vidéos, je les kiffe de ouf. Mais à partir du 16, je vais être non-stop en live, donc j'aurai plus le temps de les faire. Ce sera des reprises du live où j'explique absolument tout.
Donc surtout, n'hésitez pas à venir donner de la force. Je serai en live entre 10h et 23h. Du top 1, de la régalade, tellement de nouveautés, tellement de nouveaux tests. Ça va être trop cool. Je vous fais des bisous. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. C'était chaud.